salut, pour exemple, Seigneur. Nous vous remercions, Seigneur, merci. Par depuis le matin, Seigneur, nous dit à l'heure dans le service là. Depuis l'enseignement, l'école médicale, vous passez, cher Seigneur Dieu, par le service d'adoration, au moment d'adoration, pour montrer comment, au présent, parmi nous. Nous vous remercions. Merci, Seigneur, merci. Et nous réaliser, Seigneur, au passion présent pour des grands décis. Depuis au lac, des bagages à fête. Ça y est, il faut prendre matin, il faut sortir là avec cœur. Et bien avec, j'ai anxiété, tristesse dans l'esprit, mais tu pourras aller avec la paix. Parce que parole nous dit, mais présent sur la Seigneur, toute bagaille possible. Nous vous remercions pour ces retours qui ont fait des services là. Pour arriver, quand nous parlons tant de vous parler avec votre cœur. Les serviteurs qui parlent comme des micros, ça, Seigneur Dieu, pour prononcer sur le mandat que nous avons, les mots de Dieu, les oracles de Dieu, pour l'exhorter si là où tu as besoin d'exhortation, pour cher Seigneur, pour l'encourager si là où tu es découragé. Oui, ma bien cher Seigneur, il y a des gens qui sont dans l'anxiété, qui ne sont pas la paix, qui sont dans le mystère, qui ont besoin d'encouragement, nous mots de consolation. Seigneur, les serviteurs, de grâce à prier, on va utiliser nos façons par eux, afin que chacun de nous capable de nous parler, Seigneur, selon que nous t'apprenons. Voilà notre prière. Prions comme ça, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, avec le pardon de nos péchés. Et à lui seul soit la gloire, l'honneur, louange, au siècle des siècles. Amen. Nous verrons le matin pour nous avec vous déjà, comme on connaît, prédicateur, Mozo. C'est lui-même qui va passer des micros pour prononcer les mots de Dieu, les oracles de Dieu. C'est donc que mon Dieu va utiliser. On a demandé l'église là pour va saluer cet esprit, mon Dieu. Amen. La paix, la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Moi, salue chaque monde qui est dans l'assemblée, quel qu'il en soit. Grade, rang et qualité, soit dans la vie eh bien, religieuse ou bien dans la vie civile. Nous saluons récemment ma femme et nous qui là, madame nous avec petite nous, qui accompagne nous. Et maintenant, pour capable venir ici, dans l'objectif d'adorer Dieu et partager ensemble la parole du Seigneur. L'homme lui utilise un pile moyen pour le capable de communiquer. Il y a de l'homme non lui fait usage de gestes. Lui utilise signes pour le capable de communiquer l'un avec l'autre. Il y a de la tour. L'homme non lui fait usage de l'écriture, surtout avec l'invention de l'écriture. L'homme non lui écrit juste pour être capable de communiquer. Gardez là tout l'homme non utilisé des symboles comme moyen de communication. Et mon qui non voie de circulation qui a conduit, comme ça l'a dit très bien, il y a des panneaux de communication sur route là, des symboles qui parlent avec le chauffeur. Il dit chauffeur, mais ça pour faire, mais côté pour ralentir, mais côté au cas doublé. Il dit chauffeur, là, route ça va prendre son pente qui raide. Toutes ces sons. Des moyens que l'homme n'a utilisé pour être capable de communiquer. Mais l'homme n'a l'autre gros outil encore utilisé pour communiquer, c'est la parole. Eh bien, avec la parole, l'homme n'a fait un pile bon bagage. L'homme n'a fait un pile dégâts aussi avec la parole. Il mettait la paix. Parfois, il mettait en pile la guerre, la tristesse. Eh bien, n'a toujours été même côté de 8 mai qui sont passés. Il s'est péché de la parole. Nous avons le même texte là, qui est 1 Pierre, chapitre 3, le verset 10. N'a pas lu ça pour vous dans la Bible. 1 Pierre 3, 10. Si quelqu'un
En effet, veux aimer la vie et voir des jours heureux, car qu'il préserve, dis-je, sa langue, eh bien, du mal, et ses lèvres des paroles trompeuses. Les péchés de la parole, ou encore les péchés de la langue. Et on a déjà parlé de la médisance et de calomnie. Eh bien, maintenant, on a démarré avec flatterie. Ils ont l'autre type de péché que l'homme n'est capable de commettre. Il y a des gens qui utilisent les outils ça. Il y aurait les flatteries, il y aurait les flatteurs. La parole de Dieu, il dit dans Proverbe 29, le verset 5, celui qui flatte son prochain tend un piège sous ses pas. Il y a un monde qui a flatté un autre. Eh bien, mon ça, c'est sûr et certain, il y a tant de pièges pour le monde qui a flatté. La flatterie, mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une sorte de séduction liée. Le monde n'a pas des âmes, ça, il a utilisé. Eh bien, pas de question de la force là-dedans. Ce sont des mots doux et tendres. La flatterie. Flatteur, il est toujours chercher la faveur. C'est ça caché derrière ça, la dio. Flatteur, il est toujours à chercher des avantages. Et ça qui fait gagner. Eh bien, il y a un adage qui dit, dans un texte, dans une fable, il dit, tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Flatteur, il est toujours le faire au plaisir. Flatteur, même là où tu es en toi, les bons gens l'ont maquillé toi pour bonne raison. Parce que lui-même, il ne voulait pas faire cœur content. Il toujours voulait parler dans le sens où. Il toujours voulait parler maintenant dans une façon pour le faire plaisir. La Bible compte flatterie. Parce que la flatterie n'est pas marrée avec la vérité. La flatterie toujours marche loin de la vérité. Eh bien, auteur livre Pierre, qui c'est l'apôtre Pierre même, il dit si on veut jouer quelques jours heureux sur la terre, mon ça, il doit faire preuve de préservation ou bien de conservation de langue. Il faut qu'il soit capable d'arriver à gagner contrôle de langue. Parce que langue est capable de mettre dans la chaleur. Langue est capable de tout mettre dans la fraîcheur. La parole de Dieu lui montrait dans 2 Chroniques, chapitre 18, comment le roi Josaphat. Il fait alliance avec le roi Akab, le roi d'Israël. Le roi Josaphat a gouverné le royaume du sud, qui était dans deux tribus. Tribu Benjamin, eh bien, avec Juda. Et les 10 autres tribus, ils ont composé par Tinoa, qui était Akab dans la tête, dans le moment ça. Eh bien, Israël a perdu un territoire. Il a perdu un bout de terre. Il a voulu récupérer un bout de terre. Akab lui dit, le roi Josaphat, mon cher, viens porter M. Kouak la mer là. Parce que nous avons un bout de terre là, du côté de Ramon, il prend en main nous. Faut que nous récupérions un bout de terre. Josaphat, il était admettre l'alliance là, quoique il n'est pas supposé admettre lui, parce que le roi Akab, c'est un roi sanguinaire. C'est un roi qui a marché loin de la face de Dieu.
qui contrait avec Josaphat. Mais comme des rois, ils ont uni par plusieurs bagailles. Tout d'abord, le roi Josaphat était marié petit avec Wakab, avec petit Wakab. Eh bien, dans la coalition, Josaphat lui dit à Akab, est-ce qu'il n'y a pas un prophète l'Éternel ici? Nous sommes capables de consulter pour nous connaître comment la bataille va se dérouler. Akab dit, monsieur, il y a un prophète ici qui a consulté. C'est Michel, petit Jim là. Mais monsieur, il ne parle pas bien de moi. Josaphat dit, ah, pas parler comme ça, non, ouais, ouais, chercher monsieur. Bon, Akab lui va faire tête, dit, je vais chercher Michel, le prophète Michel. Eh bien, là, il va chercher Michel, messager qui a porté message là-bas, Michel. Il dit, Michel, comme ça, vous comprenez ça bien, frère? Ouais, Akab, il y a 400 prophètes qui déjà disent, l'a remporté victoire. 400 prophètes déjà dit l'a gagné bataille là. Ou même Pigawal est en contradiction avec yo. Pigawal dit l'autre bagaille nous pour le mettre en colère. Michel dit messager a un bon Dieu m'a servi à vivant oui. Ça le dit me dit c'est ça m'a dit. Amen. Pas bien courage oui. Eh bien, le prophète Michel V, devant moi, premier bagage, il fait commencer par se voir dans la bêtise. Michel dit, ouais, on va te monter, oui, monter, non. On va te monter, on va bien. Ouais, dit Josaphat, ouais, ça m'a dit, là. Ouais, travail, Michel. Moi, dit, ou Michel, pas, y'a me dit, y'a un bon de moi. C'est alors, Michel prend le marin pour prophétiser. Concernant la bataille là, c'est non ça bon Dieu dit. Il dit, wa Akab, mais ça moi, peuple Israël dispersé sous tête maintenant, t'as qu'on bon cabrit qui va y mettre. Et, il y a une fois prophète Akab, qui bondit sous prophète là, il passe prophète l'Éternel l'on soufflet. Il dit, mais c'est qui là l'esprit bon Dieu te saute dans moi pour t'en parler avec vous? Pour te dire, eh bien, sois ouéa. Je dis, monsieur, vous avez dit que vous avez dit, l'homme a pente boîte pour cacher devant l'armée et le mien. Vous avez dit que vous avez dit, si bon Dieu va te parler avec vous. Ouah, fâché. Akab dit, arrêtez, monsieur. Elle dit, non seulement arrêtez, monsieur, conduis par l'autorité chef de la ville là. Dis-le mettre monsieur dans la prison. Et l'aime saute dans la bataille en paix. A réglé ça. Michel prend la parole, lui dit, si je connais saute dans la bataille sans paix, quand l'Éternel va te parler avec. Et puis il dit, peuple, la prend autre. Même là, monsieur en bas code. Mais il dit ça, ouais. Amen. C'est pas Michel qui t'a voulu dire un bagage, frère. Mais c'est bon Dieu qui va dire ça, ça pour le dire, ouais, pour satisfaire la curiosité. Ouais. Eh bien, Michel, il bat la flatterie. Il dit, bagaille la jeune, ouais, là. C'est non ça, bon Dieu, dit, il dit. Je dis, la flatterie a fait rage. Dans le domaine sentimental, ah, wololoy, la flatterie a fait rage. Il y a pile monde qui a de l'eau dans les yeux. Ils ont pris en paix les flatteries. La conjointe a été de côté. Ils ont flatté. Ils ont baillé des qualités. Ils n'ont même pas gagné. Ils ont pensé bon. Ils ont pensé que ça allait, mais c'est vrai. Et puis, devant, ils ont pris le roi, ils ont pris le roi. Et parfois, ils ont pris le ce n'est pas des dégâts. Il y a un peu de monde qui se sépare, je dis. C'est une flatterie. Il te prend. Il y a un peu de monde qui ne parle pas maman, qui ne parle pas papa. Chaque monde s'arrête dans le coin.
son relation qui était fondée sur la flatterie et qui va être conséquence ça. La flatterie, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, vous qui nous écoutez ce matin, éloignez-vous de la flatterie. C'est un péché de la langue. Et si nous entrons dans le domaine politique là même en Haïti, ah, question flatterie à même, ou t'as dit c'est là ça prend naissance. Peuple là même la tonne flatterie dans mes leaders. L'idée a connu vont en côté. La parler de bagaille, il pas réaliser. Tout autant pour qu'on dit yo, peuple a beaucoup de l'amour, yo beaucoup bat bravo. Et qu'on dit yo, yo est là bat bravo, yo tombe bat bravo, y a pour l'amour, dit mais pas nous, mais mon pas nous, mais candidat pas nous, mais sauver Haïti. Et là, yo pas réaliser. Et c'était la flatterie. Ou pas reconnaître yo sous béton, y a pour les abats. Yo te prends en flatterie. Ma bien-aimée, mes frères et sœurs dans le Seigneur, la flatterie la fait rage. Je dis à travers l'église, la flatterie est entrée. Li tout côté dans tout secteur qui existait, y compris l'église. La flatterie li a fait rage. Il y a plein de monde qui l'église, mais ce sont des flatteurs. Yo là pour yo flatter. Bon, quel monde qui l'église même, li allé au-delà. Job parle, c'est si vous rapporté. Et ça le fait. Bon, pas mal de bon Dieu, même s'il tendait non sous liste, y'a pas le poste l'église. Bon, on rentre avec net avec. La, la pour le mettre sous tête, li porte, la lago loin. On t'en aller. Si vous rapporté. L'église, c'est un seul personnage qui l'a poursuivi et rapporté le Saint-Esprit de Dieu. Libérer les moins, libérer les Jacques, libérer les Pierre, libérer les Marie, libérer les Jeanne, mais le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et ça fait en passant maintenant, si vous avez un job, ça, ou pas qu'on ait un job, à chercher un job pour faire pour bon Dieu, à louer malade qui est dans l'hôpital, à louer les gens qui sont barré en prison. À visiter moun sa yo qui handicapé qui est film la caillou la sa va travailler pour le Seigneur. Amen. Ça va faire ya. Bon Dieu pas prend plaisir là dedans. Flatteur, il y a beaucoup de flatteurs, ma bien-aimée. Aujourd'hui flatterie il y a fait rage dans le secteur de la prédication. Ça sont l'autre secteur dans l'église qui compit avec ça et les flatteries. Je dis en pile prédicateur, il est transformé en flatteur. Des hommes qui ont flatté le peuple là, il a dit peuple là, ça l'étendait, ça le taré, m'étendait, ça qui est agréable à l'oreille. Gemoun même qui dit, le peuple là fait tout ce maintenant. La première humiliation dans la rue, la ville là le dimanche, c'est pour lui aller en paix, c'est pour parler dans ce sens-là, pour qu'elle soit content. Pour le sentir maintenant, et ça fait régler. Ça fait régler, pas dépend de moi. C'est pas avec une relation, à Christ. Si relation pas bon à Christ, c'est normal pour l'esprit tout tourmenter. C'est normal pour le Saint-Esprit bouleverser l'esprit. Ou. La flatterie des prédicateurs qui ont cherché des avantages. Ils ont parlé dans le sens du peuple. Ça, le peuple, tu as entendu. Ça fait une aujourd'hui. Puis, fort prédication, tu attendez, c'est sur la prospérité matérielle. Les gens qui peuvent débloquer. Ils viennent, ils débloquer. Ou pas le bel caille, ou pas le bel machine, ou pas le marier, ou pas le faire petit, ou pas le travail, ou pas le lolo, et bel bagaille. Malgré ou pouvez péché, mais l'Éternel va le débloquer. Malgré doit tout long, mais l'Éternel va le débloquer. Je ne vais pas parler de ça. Je vais ignorer ça. Comme si on prend l'Éternel pour nous corrompre. L'Éternel, c'est la sainteté.
la flatterie, ma bien-aimée, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Je dis à nous-mêmes, nous besoin, faites attention avec flatterie pour ne pas tomber dans la flatterie. Parce que la flatterie l'invoque. Nous disons que secteur prédication, il n'y a pas manqué ça. En pile nègre, à parler, je dis à faire mon plaisir. On va demander bon Dieu, même si l'église là, il y a des gens même qui croient booster. Vous comprenez? Ça fait péché, elle ne va pas parler de ça même. Il ne va pas perdre comme Kaili. Comme Kolaïti, il ne va pas perdre ça. Si on te promet, il y a une vieille machine, pépé, qui finit nous le. Bon, il ne va pas perdre ça même. Depuis le péché, elle saute ça, elle ne va pas parler de ça. Parce qu'elle ne va pas les gens fâchés. Il n'y a pas de et tel fâché, si un tel fâché, il y a d'assistance, il n'y a pas de encore. Assistance, moi, c'est dans mon Dieu, ça sortit. Il n'y a pas sortir dans l'homme. La vie dépend de Dieu. Dieu qu'on aime faire, qu'on aime vivre, qu'on aime fortement fonctionner, qu'on aime besoin manger pour manger. Mais ce n'est pas dans la flatterie. La flatterie, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Et je dis à. État où est l'église corrompue, état où est l'église plongée dans la boue. Secteur prédication, c'est un secteur qui coupe pas bon pile. C'est un secteur qui toujours a fait maquillage entre les péchés, qui parlent de dénoncer péchés. Il doit faire maquillage. Il doit faire marelle avec péché. Il a sauté balayo. Qui la cause? Je dis à l'église pourrie dans le niveau où elle pourrie. Parce que si on met là comme sentinelle, si on met là à venir de voir, c'est son éclairon. Pour dire mais elle met à envahir quand. Et si on met on pas son éclairon, c'est qu'on est coupable. Et c'est au compte qui raison qu'il ne faut pas son éclairon. Mais l'éternel connaît raison. Et la joint avec vous. L'éternel la joint avec vous. Parce qu'on quitte Elmi, envahissant. La bouche flatteuse prépare la ruine, dit la Bible, au verset 26, le verset 28. Je dis à mes bien-aimés, mes frères et sœurs, même Jean, eh bien, l'apôtre Pierre, il dit ça. Si nous voulons connaître des jours heureux, il faut que nous préservions l'œuvre, nous préservions l'âme, nous, des paroles trompeuses, des paroles malhonnête de toutes sortes de paroles. La flatterie, nous gardons maintenant, c'est une non, et bien péché, là nous qu'à commettre. Vezo, vecor, pour ne pas tomber là-dedans. Deuxième péché de la parole, après maintenant, c'est les paroles légères. Les paroles légères. La Bible dit dans Proverbe 29, verset 20, as-tu vu un homme qui parle sans réfléchir? Il n'y a plus à espérer d'un saut que de lui. Il y a un monde qui a parlé sans ne pas réfléchir, sans ne pas peser sa labdia. La Bible, lui dit monde ça, ou qu'a espéré plus bon bagaille, dans mon monde saute que lui-même. Ça lui dit monde ça, lui plus que ça. Il y a un monde qui a parlé sans ne pas réfléchir. Les paroles légères. Je dis à mes bien-aimés, mes frères et sœurs, moun ka parler sans yo pas réfléchir, yo cause en pile dégâts. En pile dégâts causés, soit dans la société, soit au niveau de la famille. Gen en pile et foyer qui crasé à cause des paroles irréfléchies. Marie a prononcé des paroles irréfléchies à l'égard de eh bien conjointement, eh bien foyer crasé. Ou bien conjointement, il prononçait des paroles légères, des paroles sans réfléchir à l'égard de Maria. Et ça mettait frère à tête en bas. Et depuis lors, c'est la guerre. C'est une a tiré l'autre. Et coup de bouteille a tiré, coup de chaise a tiré, etc. Coup de couteau. La guerre envahit frère à cause des paroles irréfléchies, des paroles, eh bien, qui pas dû prononcer. La Bible montre comment un roi te prononce une parole sans réfléchir et qui t'a parlé la cause, la mort ou l'autre. C'était le roi Hérode.
dans le dossier Jean-Baptiste là. Jean-Baptiste arrêté, c'est vrai. Parce que Jean-Baptiste lui dénonçait Hérode qui prend madame frère Philippe Hérodia. C'est que Hérode pas de gain doit faire. Même là Hérode c'est païen, mais ça le fait, il reflétait sur peuple Israël là dans le pays là. Et Jean-Baptiste, il dit Hérode, vous connaissez ce qu'on fait, on pas de faire. Ou pas de gain doit prendre madame frère. La loi pays nous a condamné ça. Bagay ça fait Hérode fâché. Il fait arrêter Jean-Baptiste dans la prison. Eh bien, pendant l'anniversaire, le roi Hérode, Hérodia, concubine Hérode, eh bien, vini dans la fête là. Il vient de faire un show de danse. Hérode en bas, Tafiali, en bas, Gwagli. Eh bien, dans le show de danse là, il tellement prend plaisir. Il dit, Hérodia, ou m'a demandé de sauver ma baoule. Même l'autre m'a demandé mon cas dans le royaume de ma baoule. Jeune fille a pas comme ça pour demander devant une offre comme ça pas espérer ou ta faire une offre comme ça ta bail une chèque en blanc. Il sorti là devant maman, il dit maman ça, mais ça wa dit ça pour demander. Maman dit mande tête Jean-Baptiste son plateau kounya. Il tourne, il dit wa c'est tête Jean-Baptiste moi veux son plateau. La Bible dit wa triste. L'el temps de demande, jeune fille. Mais comme Powell wa li certaine, ou a pas qu'à tourner sous décision, ça fait faiblesse wa. Malgré tristesse wa, lui oblige de voyer des soldats à décapiter Jean-Baptiste dans la prison pour tête Jean-Baptiste vini. Il a eu côté tête Jean-Baptiste vini. Ou a prend li longe le bay jeune fille. Jeune fille a longe le bay maman. C'est comme ça, Jean-Baptiste mourit décapité. À cause de une parole légère, ou à pas prendre pèse, il pas prendre poids, qui dégage la parole ça a été fait. Et même la cause Jean-Baptiste mourit tête coupée. Et maman jeune fille qui fait offre là, indirectement, et parce qu'elle remet crasse, lui voit Jean-Baptiste, veut faire le perdre reste divin, Jean-Baptiste veut faire le perdre reste gâteau, sous table caïwa. Jean-Baptiste voulait craser la relation petit Yahwa. Et pour être sale, voulait l'envoyer Jean-Baptiste lui-même. Ou qu'on n'y a pas un lui-même. Il n'y a pas de redit travail là. Il besoin de bagaille tout fait. Il n'y a pas un même là où l'église là, il remet crasse. Il remet reste. Petit tout a fait toute étude qui existait parce qu'elle n'a pas gagné l'argent. Depuis ce petit, il a le cotisé avec elle. La balle mauvais gens. Même là où l'église, là, mais nous avons un choual. C'est des restes liés, c'est des crasses liés. Et il y a la cause, la vie de mon gaspillé. Il y a la cause d'un pile de mon. Je dis à pas mon mari, amen. C'est à cause de parole, tu es mes crasses. Tu es mes crasses, les fourrés, on ne peut pas de fourrés. Et la cause, si mon a souffert, je dis à. Peut-être crasse, peut-être reste. Remets mes bagailles tout fait. Eh bien, c'est peut-être ça. Dans mes races, dans mes classes, maman Hérodia, elle y participait, elle concordait pour couper tête Jean-Baptiste. Ou à prononcer une parole légère. Je dis, ah, ce n'est pas des paroles légères qu'à prononcer dans l'église. Il y a des gens qui l'église là, ils bloquent, ils ne parlent pas devant, ils ne parlent pas derrière. Il n'y a pas à côté pour le faire, tout le pote il frappe, frappe devant. Et comme si l'on finit frappe le pote là, il y a un monde qui vient sous le pote là. Là, il y a l'éternel. Et non parler, il parle, il réfléchit. Il y a un monde qui dit l'éternel, si vous faites tel bagaille pour moi, l'on finit faire tel bagaille pour moi, ma foca dans l'avion. Mes amis, bon, il n'y a pas de bourrique, non? Il n'y a pas de motocyclette, il n'y a pas de bicyclette, il n'y a pas de non? Ou t'as donc parole qui prononce, la fait bon Dieu cadeau un avion. Mais quelle parole est censée? Quelle parole réfléchit? Quand on va jouer un avion ça? Ou qu'on prie avion? Et on peut faire l'éternel cadeau avion pour faire le marché? Des paroles irréfléchies.
Et ça qui fait auteur a dit ou plus qu'à espérer dans monde sort qu'on monde qu'a parler sans pas réfléchir de ça l'a dit. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, si ce pas parler sans pas réfléchir, il faut réfléchir, réfléchir et réfléchir avant de parler. C'est pas des têtes chargées, c'est pas des bagailles nous pas prononcer. C'est pas des paroles nous pas dire sans ne pas réfléchir. Des paroles irréfléchies. Hein? Elle a besoin comme papa. Là l'homme n'a besoin de bloquer. Là l'homme n'a tête chargée devant. Les parents même qu'on a le côté mon non. Si mon non pas l'examen. Il dit alors même ou assouré ici dans l'examen, ma fuck à dans machine. Il n'y a pas même quoi pour acheter une bicyclette. Là, il promet si il y a une machine, si il y a réussi l'examen. Là, si il y a réussi, il demande une machine qui sort pour le faire. Là, ça, c'est le sort pour le faire. Ou tu prononces une parole irréfléchie, une parole sans sens, une parole insensée, des paroles légères. Mais bien aimé, faites attention, pas prononcer parole légère, sans pas connaître parole là qui poil. Faut mesurer parole là, peser parole là. La Bible dit dans Juges chapitre 11, il y a un homme qui prononce son parole. Mais c'était une parole légère, c'était Jephté. Jephté prend la bataille avec les Ammonites. Jephté font fait, il est élevé insensé. Ou quoi ça Jeff te dit? L'homme saute dans la bataille là. Si l'éternel fait gagner la bataille là, premier monde qui vient rencontrer, le va rentrer la caille moi. Ma offrir en sacrifice à mon Dieu. Ma offrir en sacrifice et en holocauste. Faut que je complète la phrase là, c'est sa phrase là. Eh bien, Jeff te a dans la bataille, il y a une bataille là. Mais là, Jeff te a rentré. Malheureusement pour Jephté. Jephté est une seule petite fille. Petite fille, elle apprend papa à faire succès. Papa à faire victoire. Petite fille, à battre ton bourrin. La Bible rencontre Jephté. La Jephté garde. Lui, c'est une petite fille qui a rencontré. La tristesse envahit Jephté. Jephté chire là sous lui. Et dit petite fille, regardez son frère. Regardez dans la tristesse où mettez papa. Gardez ça, vous venez rencontrer. Une parole légère. Même les textes là, il y a une pile discussion entre les théologiens sous lui. Ils disent bon Dieu, pas accepter sacrifice humain, etc. Patati, patata. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont une explication claire. Oui, à part ça, il y a écrit. Une parole légère. Parole sans réfléchir. Mais bien-aimé, là on parler, peser ça va dire. Peser parole là. Plutôt yo dit ou lent pour parler. Mais on pas parler des paroles légères, des paroles sans sens, paroles irréfléchies. Et pour terminer, la parole n'a pas le péché de la langue n'a pas. Matin, c'est les paroles vaines ou bien les vaines paroles. Dans Matthieu chapitre 12, verset 36, Jésus-Christ dit, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. Ah, c'est Jésus qui dit ça. Il dit bon, jour qu'à privé, jour ça, lire le jour du jugement. Eh bien, l'homme parle pour lui rendre compte de toute parole qui n'a pas de fondement, des paroles qui n'a pas d'utilité, des paroles vaines que l'homme n'a été prononcé, des paroles sans valeur. Il y a l'église qui tellement prononcé des paroles sans valeur. Il y a prié, autant de gens qui ont prononcé des paroles
et mon nom, ou est toi dans mon nom, ou qu'on la vie mon nom, vrai, ça l'a dit, ou pas gagné pour à la ville. Il dit, bon Dieu, ou qu'on est jamais adultère, jamais volé, jamais ceci, jamais cela, tout ça l'a dit, ou pas gagné pour avec vrai. En ou adultère, pour ton adultère, ou à prononcer des paroles comme ça, des paroles qui n'ont aucun sens. Des paroles, maintenant, et vaines. Pour qui ça l'a prononcé paroles ça, yo? Pour lui-même, à force de sensibiliser bon Dieu a marché plus vite. En pile, moun pense qu'on sa bon Dieu servi, de pas vrai. Bon Dieu, moun baba et bon Dieu chen. Bon Dieu, Jean, à pas d'ap marché, à sa pas d'ap tout continue de marcher. La privé, la pour l'rivé. Nan jou pour l'rivé ya, nan moi pour l'rivé ya. S'il gè pour l'rivé tout. S'il n'y a pas de pour lui, même si on ne veut pas foi par terre, il ne va pas venir. Et bon Dieu, il est souverain. Vous avez demandé à Bali s'il ne va pas venir. Vous avez convoqué lui. Vous avez mis le dépôt. Bon Dieu, c'est bon Dieu lié. Moun va faire bon Dieu, marcher. Des paroles vaines. Paroles qui ne sont pas utiles. Paroles sans fondement. Bouchou pour c'est vrai. Mais, ou qu'on a un grand jour à privé, ou à bien pour un compte, pour des gars bouchou te fait. Ou te comme ça. Gon lèk à privé, ou à bien pour comparaître. Hein, devant Christ, pour un compte. Et vous dites, allez, parlez de un compte. Nèg la si ka coupe tête ou la coupe tête, oui. Je dis, nan famille, gen de famille, de bien parler de un compte. Semaine ça, famille ça c'est la guerre. Marie entre tard, madame n'a dit, quand on te entre tard comme ça. Et m'a dit, quand on a suivi la moune à votre ici, s'entendez, si madame n'a continué à parler, c'est la guerre. Et pas dans un compte là. L'argent est entré, l'argent est dépensé, madame n'a pas au courant comment l'argent dépensé, mais tel besoin soulier. La madame n'a demandé pour acheter souliers à Pointel, l'argent est dépensé. S'entendez là, si madame n'a dit, oh, connaissez avant elle, elle a dit, ton cobla, comment comme ça fait du temps fini là, sans faire un cobla à tel. L'argent n'est pas pour moi, et pas pour moi, il ne va pas rendre compte. L'homme ne va pas rendre compte même. L'homme ne va pas ça. Depuis l'homme n'entend pas rendre compte, il est fâché, il est mauvais. Il est prêt pour tirer quoi? En dans l'église, c'est même bagaille. Au monde qui est dans le groupe l'église là, il va le bon corps. Pour être même dans le groupe là, dit, mais comme ça, nous avons semblé longtemps. Il faut travailler un petit règlement sur lui, ça fait fâcher. On ne peut pas manger quoi? Nous ne pouvons pas voir la mienne. Mes frères, si vous avez responsabilité, c'est normal, vous m'en rendez compte. Et pas question de voler, non? Sans question de compte, vous demandez. Vous n'avez pas besoin de fâcher pour ça. Attendez, vous pouvez mettre qu'est-ce que là. Il ne peut pas les rencontre. Depuis l'homme, vous entendez ça, l'homme fâché. Bon, dans la vie politique, là, même c'est tête chargée. Dans l'État, vous entendez ces persécutions politiques. Même là, vous avez des persécutions. Mais tout le monde caché derrière rideaux, persécutions politiques, là, vous ne pouvez pas rendre compte. Vous cachez derrière les blancs, ça. On sait pas ce qui t'a passé qui t'est tel, malgré que tu es bien long, dans la caisse l'État, la prend l'argent, la prend l'argent. Et bien, l'État, viens dans le coin. Persécution. Entendez, à des matins là, il cherche les gens, il a réuni là, c'est balle dans la ria, il y a pris l'homme, il y a passé qui t'est tel, pour ne pas rendre compte. Mais quand je suis privé, vous voulez pas l'homme dans le coin. Il met mauvais, il met fâché. Il laisse le papier, il y a gros âme derrière. Pour aller sous Christ là, tout ça m'a bébé. Et laisse ça, l'homme n'a bien pour le rendre compte quand même. Des paroles vaines, des paroles, eh bien, qui n'ont pas de sens. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Eh bien, maintenant, pas connaître toutes paroles prononcées, paroles en cachette, râler, bouche, mettre dans les oreilles, parler en cachette. Parlant de machine, vite fermé, à connaître. Mais l'Éternel, il connaît tout ça dit.
Si vous pour comparer pour un bagage ou te dit, dans les oreilles, vous comparez quand même. Si vous pour rendre compte pour une parole ou te prononcer en deux chambres, vous pour rendre compte quand même. Eh bien, les péchés de la langue. L'apôtre Pierre lui dit, dans le texte de base, nous te lia, que nous te lia, dis-je, il dit que si un monde t'a aimé, passé quelques jours heureux sous la terre pour ne pas dans tourment, faut que l'État contrôle la langue, contrôle la parole, qui ça l'a dit, qui ça l'a prononcé, non, ça l'a dit. Yo. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, maintenant, nous te regardons avec la flatterie, qui c'est un empêché de la parole. Et par la suite, nous t'avons avec les paroles légères. Et en dernier lieu, nous t'avons, eh bien, les paroles vaines, ou bien les vaines paroles. Maintenant, je ne sais pas combien de monde qui doit attendre nous maintenant, soit à travers speaker, ou bien qui est dans l'assemblée, qui compte faire usage de la flatterie. Mais je conseille au matin pour changer physique et épaule. Je connais matin si il y a un monde dans l'assemblée qui peut utiliser des paroles légères, des paroles sans réfléchir. C'est après la prière, il pas de prononcer paroles ça. Eh bien, essayez de saisir davantage matin pour peser paroles. Ou même de prononcer des vaines paroles ou encore des paroles légères. Maintenant, repassez la vie ou quoi? Comment la vie ou lié? Et en retour, si vous avez un côté pour corriger, ou va corriger, ça doit corriger. Et si toutefois tout, vous avez un bagage pour rejeter, ou va rejeter. Eh bien, nous avons quitté là pour nous dire, nous souhaitons maintenant, bon Dieu dans la grâce, dans l'amour, dans la compassion, par canal, le Saint-Esprit de Dieu, il va aider au matin à kembe l'amour d'une manière sainte, d'une manière saine. Il va aider au matin, va kembe l'amour, va propter l'amour, va nettoyer l'amour dans la famille. Quand on passe, on va capable arriver, maîtriser l'amour, au moins pour éviter les dégâts que l'amour est capable de causer. C'est qu'il en soit ainsi pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche. À la prochaine.